J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de la présentation des box. Aujourd'hui, ça va être la Beautiful Box du mois de mai. Donc, très très content de l'avoir reçue parce que dans cette box, il y a beaucoup de marques en fait que je ne connaissais pas. Comme vous pouvez voir, à la boîte, le packaging ne change pas. C'est toujours dans les tons bleus et fleuris. À l'intérieur, on retrouve un petit flyer. On retrouve les petites cartes comme d'habitude et on retrouve les produits à l'intérieur. Voilà, les 5 produits. Et je vais commencer en fait avec le premier produit, donc qui est un soin primer intensif donc de la marque Masato. Donc c'est un masque pour les cheveux. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le soin primer intensif Masato s'utilise avant ou après le shampoing pour réparer les cheveux sensibilisés et abîmés par les brushings, les colorations, le calcaire ou salé. Voilà, donc l'eau de riz est utilisée depuis des siècles par les Japonais pour dompter, lustrer et gainer leur chevelure. Masato a fait de cette tradition un soin intensif à la protéines de riz associées à des actifs très nourrissants et réparateurs riches en antioxydants, vitamines E et K, beurre de karité et de cacao, huile de coco et d'avocat. Voilà, donc très très bien parce que moi j'ai des cheveux méchés et parfois ils sont très très secs et abîmés. Donc ils nous disent pour le conseil d'utilisation, donc qu'il faut l'utiliser soit avant le shampoing afin de bénéficier des propriétés du soin intensif sans les alourdir. Appliquer sur cheveux secs et laisser poser 5 minutes minimum, soit après le shampoing pour tout type de cheveux très secs. Appliquer 10 minutes sur la longueur, essorer puis rincer. Donc voilà, très bien. Je suis très très contente d'avoir reçu ce produit. Je le testerai, je vous en dirai des nouvelles. Donc on a reçu un 150 ml pour le prix de 34,50 €. Ça sent très bon. Ça sent le frais, donc je vous en dirai des nouvelles. Après, donc, je vais continuer avec le deuxième produit qui est un après-shampoing. Démêlant protecteur donc de la marque Fitema. Donc la marque je la connais, j'ai déjà testé des produits de cette marque là. Voilà, donc j'étais très très satisfaite. Donc voilà, après à voir pour l'après shampoing. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit? Donc ils nous disent que l'après shampoing démêlant Fitema démêle, lisse et gaine tout type de cheveux sans les alourdir. Donc enrichi en agents lissants naturels, il limite la casse au brossage et prévient l'électricité statique. Donc très bien. Karité coco, baobab d'origine biologique, nourrissant, hydrate et renforce la fibre capillaire. Le cheveu retrouve force, souplesse et brillance. Ne graisse pas les cheveux. Donc très bien. Donc très contente d'avoir d'avoir reçu en fait ce produit. Donc en conseil d'utilisation, ils nous disent qu'il faut l'appliquer sur cheveux mouillés et essorés. Laisser poser environ une minute puis rincer. Voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je vais essayer de sentir si j'arrive. Alors la texture, elle est assez fluide. Et encore une fois, ça sent le propre. Ça sent le frais. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et on a reçu donc un 100 ml pour le prix de 11,90 €. Voilà. Et je vais continuer avec le troisième produit, donc qui est un soin éclat anti-frise, donc de la marque Lafarge. Voilà. Ce produit là je ne le connaissais pas, enfin je connaissais pas du tout la marque. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent retrouver la beauté naturelle d'un cheveu brillant, souple et soyeux en brumisant quotidiennement, se concentrer fondant sur les longueurs et les pointes. Enrichi en huiles précieuses, coco et avocat, ce soin enveloppe
et gaine la fibre capillaire pour une nutrition profonde et une protection anti-frisottis longue durée. Donc l'amande est riche en acides gras, hydrate et fortifie l'aloe vera, redonne l'éclat, brillance et vigueur aux cheveux. Appliquez en petite quantité sur cheveux humides ou secs, puis coiffez. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir reçu ce produit. Je le testerai, je vous en dirai des nouvelles parce que je ne connais pas du tout le produit. Ça sent le frais. Oui, ça sent le frais. Donc après, à voir, je vous ai mis sur le nez aussi. Hein. Je vous en dirai des nouvelles. Donc les 100 ml, ils sont à 20,50 €. Voilà. Et puis, je vais continuer avec le dernier produit qui est un shampoing solide. Donc, de la marque Samelli Plante. Je pense que c'est ça la marque. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le produit? Donc, sur la marque, ils nous disent que Samelli Plante est une marque de cosmétiques naturels biologiques précieuse, élaborée à partir des vertus des plantes de nos montagnes. Née en Franche-Comté, Samelli Plante favorise les producteurs locaux et favorise leurs matières premières gorgées de richesses et de bienfaits. Ceux-ci sont restitués après une sélection scrupuleuse au sein de produits de beauté et d'hygiène d'exception. Telle est la devise de Samelli Plante, bien entendu, la Beautiful Team approuve. Donc moi, je ne connaissais pas du tout ni la marque, ni le produit. Donc voilà, ça va être une première en fait pour tester. J'en testerai, en fait, je vous en dirai des nouvelles. Le conseil d'utilisation, ils disent que il faut l'utiliser donc après votre masque cheveux. Frotter le shampoing directement sur cheveux mouillés, puis masser délicatement le cuir chevelu. Rincer à l'eau claire, puis appliquer votre après-shampoing. Laissez sécher votre shampoing à l'air libre entre deux utilisations. Donc on a reçu 175 grammes pour le prix de 18 €. Donc je vous en dirai des nouvelles. Et si enfin, on a reçu une petite brosse à cheveux donc de la marque Beautiful Box. Cette brosse-là, j'aime bien. Donc, c'est pratique en fait pour les mettre dans le sac. Donc, ça, c'est pas grand. Donc, voilà. Donc, j'aime bien ces brosses-là. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Et à présent, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé ces produits-là et si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Bye bye!